Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comme je vous redis toujours, cette vidéo est enregistrée le dimanche à 16h en live sur Twitch. Voilà, on discute, on interagit un petit peu ensemble. Ensuite, on la cut, hop là, et on met la vidéo en ligne. Donc, celle-là, maintenant, à partir de cette semaine, il va y en avoir deux par semaine. Une, le mercredi sera des vêtements et le samedi, ça sera du putaclic. On va commencer léger cette semaine. Et puis après, il y aura la fausse, enfin, une montre qui ressemble fortement à l'Apple Watch Ultra, une montre qui ressemble un peu fortement à l'Apple Watch 8. Après, on aura du bonnet CP Company. On aura de la Air Jordan et de la basket Louis Vuitton. Voilà, si ça c'est pas assez putaclic pour toi, je sais pas ce que tu veux. Allez, on commence aujourd'hui par la marque FGKKS. C'est pas moi qui fais les noms, hein. Je suis désolé. Alors autant avant c'était mieux là, parce que là, moi j'aime bien les cravaches, le cuir et les cravaches. Après, est-ce que j'ai besoin du casque pour ce que j'en fais? Non. Bon, il y a pas mal de choses intéressantes et je suis en train de me rendre compte qu'il n'y a pas la caméra là. Tac, voilà, j'avais oublié de mettre la caméra. Donc bon, après là ils sont très summer, mais quand on regarde un peu en bas, il y a des trucs plutôt. Alors attendez, c'est pas mal. Cette doudoune là, attends, là pas trop. Cette doudoune là, personnellement, moi je la kiffe pas mal. Elle est fait un peu armée, un peu comme ça et tout. J'aime beaucoup, hein. Là, celle-là avec la petite fourrure, la petite moumoute, voilà. Et après en bas, là on va retrouver parce que voilà, on a le t-shirt de Shadow. Non, le pull de Shadow, le pull de Noël de Shadow. Celui-là, avec les vaches, il est terrible. Hein. Comme ici, il faut mettre des pulls moches avec les vaches. Très bien. Voilà. Donc, il y a pas mal de bombers aussi. Voilà. Quand on regarde sur le site, il y a pas mal de produits qui sont très sympathiques. Ça, ouais, je sais pas si vous allez le reconnaître, ce pull. Je sais pas si le pull existait avant et c'est un célèbre youtubeur qui l'a repris pour mettre ses couleurs dessus. Ou si, voilà, ils se sont dit, tiens, il y a un célèbre youtubeur qui l'a et on va faire le même. Voilà. Si vous avez la ref, mettez-moi dans les commentaires directement. Là, vous mettez là en bas. Sinon, vous mettez dans les commentaires en dessous de la vidéo YouTube si vous regardez ça en replay. Et je vous dirai tout à l'heure de quel gros youtubeur il s'agit. Oh, vous devez connaître. Américain, hein. C'est pas jeu. C'est jeu. Non, mais non. Pas sa marque à lui. Bon, allez, on va regarder un peu les vêtements. Tchou, allez, c'est parti. Trois produits aujourd'hui de la marque FKKS. Voilà, alors le premier, si je l'ai mis dans l'ordre, normalement c'était un t-shirt. Alors, il est où le t-shirt? Il est là. Joli petit t-shirt, qui a l'air de bonne qualité, qui était pas. Oups, ça y est. Oh, les prix, je veux dire, même AliExpress, les prix, c'est nawak. Hein. 15 balles. Ah, ouais, je sais, 15 balles. C'est de la balle. Alors, celui-là, oh, j'avais trouvé ça super. Il est pas trop joli celui-là. Plenty of Fish of the Sea. Oh, putain, la taille XL, ils m'ont donné. Commandé XL. Waouh, ouais, mais c'est un XL. Ah ouais, mais j'ai pas commandé ça. Moi, j'ai commandé le petit là. J'ai commandé. Ouais, ils m'ont donné un XL parce qu'ils savent que ça taille super petit. Hein. Bon, j'avais commandé L, donc ils m'ont envoyé XL. Mais quand je vois le. Putain, la vache, je suis pas sûr de rentrer dedans. Hein. Ça va être tendu. Hein. Voilà. Bon, il est super beau. Hein. Vraiment, ouais. Super qualité, voilà. Ça sent le, avec le, comme on avait vu un peu dans la semaine dernière, avec un petit liseré et tout en haut, pas mal. Alors, ouh, il y a même le petit logo en bas, sold out. Oh, j'aime bien, j'adore. J'aurais mis la marque sold out, c'était bien pour mon titre. Ça aurait pu être sympa. Et ensuite, quand on regarde là, 100% coton et non pas 100% coton. Et rapport à la, bon, laisse tomber. Ouais, tu les connais, les. Bon, revenons. Distributeur. Enfin, par contre, c'est cousu, mais vraiment à l'arrache. Mais bon, voilà, l'idée est là. Il est pas mal. Écoute, moi, je pense que je vais l'essayer tout de suite. Tada ! Oh la vache, ouais, bah dis donc. Non, il est beaucoup trop. Il est beaucoup trop petit, là. C'est insupportable. T'imagines, j'ai commandé un L. Ils m'ont envoyé un XL. Mais XL, c'est XL pour un chinois. Oh, il est beaucoup trop. Oh. En le travaillant un peu, c'est quoi qu'elle a fait l'étiquette ? Ouais, 72-80 kilos, c'est moi. Ouais, bah, il m'aurait mieux fallu prendre XXL, alors 80-88 kilos. Ou alors je suis trop musclé, mais bon, putain, heureusement que j'ai plus de bide, hein, sinon c'était foutu. Hein. Bon, il est un peu. Ah, je vais remettre le micro là. Il est un peu serré. Mais enfin bon, après voilà, le cœur y est. Quand on prend un peu sur la fiche produit, tac, on revient sur la fiche produit, donc 16,08€. Bon, vous voyez que XL, 72-80 kilos, on est plus près, ouais, à mon avis, d'un mec qui fait 75 kilos. Et non pas 82 kilos, mais genre, XL, ça passe. Hein, voilà. Après, il aurait mieux fallu, du coup, prendre, comme je fais 82 kilos, en fait, j'aurais dû prendre entre 80 et 88, voilà. Donc, c'est un peu de ma faute, mais en même temps, voilà,
j'arrive à rentrer mes bras dedans, tout va bien. Et après, 88. Je trouve la qualité très très bien. Je trouve que le design est très atypique. Bon, en même temps, ça va, je pense que en le portant un peu, comme c'est du coton, peut-être en le travaillant un peu, c'est pas mal. Non, il est très très moulant. Hein. Pas aussi, voilà. Après, si j'arrive encore à perdre peut-être 1 ou 2 kilos, peut-être qu'on peut arriver à faire la blague. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. J'aime beaucoup hein, le logo, le travail du tissu. Tchou ! Allez, on attaque par le pantalon, hein, parce que déjà, j'avais besoin de petits pantalons comme ça. Alors, le pantalon, j'ai pris ma taille, 32. Normalement, j'ai pas mal de pantalons, où c'est 32 par 32. Voilà, donc comme toujours... Qu'est-ce que j'ai vu vidéo où pareil, il faisait un essayage et... Ah, c'est ici, genre, il faisait des essayages pour changer de look et tout. Et pareil, il lui dit, mettre le truc autour du cou. Voilà. J'étais content, c'est mon astuce de grand-mère. Alors, c'est pas... Ou soit, c'est parce que j'ai pas l'habitude de mettre des pantalons. Oh, la vache! Attention, si je rentre là-dedans, mon pote, je peux te dire, je rentre dans tout. Oh, bah dis donc, regarde. Eh, juste, hein. À mon avis, c'est jouable. C'est jouable. J'allais faire ma langue de brute. Alors... Niveau pantalon, c'est un pantalon cargo, pantalon cargo de haute qualité pour homme en coton, camouflage, Nord Jogging, collection printemps-été 2021. Là, on est pas mal. Donc là, il y a Gok and Kongs. Voilà, à ne pas comprendre avec Donk et Kongs, bien évidemment. Il n'y a pas d'étiquette particulière. Il est sympa, il est bien... Bon, il n'est pas bien fini, mais il est de bonne qualité. Petite popoche ici. Ouais, petite popoche ici, c'est pas mal aussi. Ok, il a l'air assez long. Voilà, à l'arrière, voyons voir. Si j'ai un petit cul comme ça, c'est beau. Hein. Voilà, bon bah écoute, ça a l'air pas mal, on va essayer. Bon, allez, continue. Bon bah dis donc, 32, tout pile. Hein. Ça va falloir que Noël, ça va. Si j'ai encore prévu de perdre un petit kilo, ça va passer. Mais sinon, c'est chaud. Hein. Dis donc, la vache. Il est vraiment tout pile, hein. C'est vraiment 32-32. Hein. Il est pas mal, j'ai pas besoin de ceinture, j'ai pris la ceinture. Oh, ça va, comme il est en coton, en même temps, il est à ma taille, je sais pas vouloir dire. Si je perds encore, il y a des petites, regarde, je sais pas si t'avais vu, il y avait des petites fermetures là en bas et tout, c'est pas mal, voilà. Bon bah, 32, la taille est super bien, hein. Franchement, si je perds encore un kilo, la taille est parfaite. En même temps, ils avaient annoncé 32. On va regarder un peu sur le site. Alors, quand on regarde sur le site, 32, ils annonçaient quoi 32, nanana, 32. On prenait la taille, la forme où j'ai mis 100. Voilà, c'était à peu près 100, donc j'aurais dû prendre 30. Ouais, 32, c'est à peu près la taille que je fais dans les jeans américains. Eh ben, il fait pile... Non, il est pile à ma taille. Hein. En même temps, après, ouais, faut que je perde un peu de poids, là, malheureusement, ça, c'est pas de sa faute. Mais si je perds encore un kilo, ça va. Il est pas très... Non, il est bien. Après, faut pas que je mange plus que ça. Voilà, vous me direz un peu en commentaire. Le prix, 23 euros. Franchement, moi, je trouve que c'est un bon prix. Après, vous me direz en commentaire ce que ça vaut chez vous et tout. Mais alors, c'est du coton, certes. Mais je trouve très confortable. Tout pile à ma taille. Si vous, comme moi, vous avez des pantalons un peu américains, c'est 32. Souvent, c'est 32 par 34 pour avoir un truc un peu baggy et tout. Bon, il n'est pas très très large, mais il est pas mal. Est-ce que ça mériterait une petite taille de plus avec Noël? Ouais. Mais bon, vous êtes quand même bien, j'ai bien perdu le poids. Donc en théorie, on devrait être pas mal. Tchou! Allez, c'est parti pour le troisième produit. Tu en as pour environ 35-40 euros. Ah ouais, donc c'est un bon prix. Hein. Merci. Merci beaucoup. J'ai pris un petit short pour la maison. Xiangdong. Tiens donc. Xiangdong. Bon, Xiangdong, un petit short 10 balles. Là, au moins, voilà, ça te fera pas un deuxième trou de revolver. Un petit bruit de... Ah, c'est les popoches. Ah, il y a une espèce de petite... La finition est bleu, blanc, rouge et tout. Je suis pas vraiment sûr que ça fait exprès. Rouge, blanc, bleu. Short de marque de qualité pour homme. Nouveau short décontracté. C'est tout moi. Petite fermeture ici. Bon, c'est du plastoc. Après, encore une fois, voilà, petite fermeture. Bien. Ici, on reprend. Ouh, dis donc. Oh, bah heureusement qu'il est élastique. Hein. Sinon, je te dis. Alors là, du coup, tu vois, il en manque un peu. Hein, on est d'accord. Mais bon, il est quand même vachement élastique. Donc, on peut quand même aller de là. Tu vois, regarde. À là. Donc, en théorie, il ne devrait pas trop me serrer les houilles. À l'arrière. Oh, petite popoche. Pas mal. Petite, ma petite poche avec la fermeture éclair. Franchement, pour 10 balles, ça va. C'est pas mal, c'est de la pour 10 balles, je vais pas dire que c'est de la balle, mais ça va mériter un essayage. Bon, allez, c'est parti pour l'essayage et tout. Alors, j'ai pris L, mais je sais pas pourquoi de 45 à 55 kilos, ils ont fumé eux. Ça va, après c'est pas... Il est un peu... Pour la maison, ça va aller. Pour sortir, il est un peu moule-bite quand même. Hein.
Ou alors, encore une fois, si je perds mon kilo qui me manque. Mais j'avais bien regardé les tailles, pourtant, pas mal. Enfin, un gros boule, hein, dis donc. Oh la vache. Ouais, ouais, non, ça va. Il est assez... pour la maison, ça va aller. Mais il est très... très bonne qualité. Et 10 balles. Voilà. Après, pour 10 balles, regarde un peu, 45, 55 kilos, c'est pas ça du tout. T'imagines, si je faisais 80 kilos, j'aurais dû prendre quoi? XXXL? Non, c'était, il est pas très loin de ma taille. Hein. Si on prend 55, 67 kilos, on n'était pas très très loin de ma taille. Il a un poil... on a un poil, il a un poil juste. Hein. La semaine dernière, on était un poil juste trop. Et le t-shirt, bah regarde, en même temps, une fois que je l'ai, maintenant que je l'ai bien porté, que j'ai transpiré dedans... il s'est adapté à la taille de... Mais j'ai pris un kilo, c'est flagrant. Putain, je le vois dans le retour caméra, là. Tchou ! Allez, si on fait un petit bilan de ces trois produits. Bon, le t-shirt, très bonne qualité. Hein. 100% coton et tout, voilà. Après, les tailles sont véridiques. Hein. Ne prenez pas XL comme moi, 72-80 kilos, si vous êtes plutôt proche des 81, 82. Mais j'ai espoir de redescendre à 80. Mais en même temps, allez, je le porte depuis un petit moment et ça va. Je transpire pas dedans, la qualité est bien, il est un peu moulant et tout encore une fois, mais si je peux arriver à tomber dans les 81 kilos, voilà, ça sera plus adapté. Je le trouve très sympathique, j'aime beaucoup le logo avec le poisson et tout dessus. Après ça, c'est les goûts et les couleurs. Moi, c'est celui qui me plaisait bien. Après, bah, de là prendre en saumon et tout, déjà c'est pas un saumon, mais... Après, c'est vous qui me direz. Le pantalon, tout pile aussi. Hein. Dis donc, encore une fois, là, j'ai été... autant la semaine dernière, j'ai été trop généreux dans les tailles. Autant le pantalon, 23,10€. Et je le trouve super pas cher, le pantalon. Hein. Vous me direz ce que vous en pensez. Là, pareil, tout pile. Hein. Tout pile la taille. 32 normalement. Là, j'ai pris 32. Ça aurait mérité un 34. Mais on le voit avec les deux pantalons de la semaine dernière, que je porte d'ailleurs. Les deux shorts, ben ouais, il y a la ceinture, on voit qu'il y a vraiment de la marge, quoi. Donc si c'est dans l'optique de il y a Noël, tu vas prendre du poids, prends une taille au-dessus, ou c'est comme moi où tu dis voilà, je travaille fort, j'ai une Apple Watch maintenant, je vais courir et tout, je peux redescendre à 81 kilos normalement sans trop de problèmes. Je devrais être bien dans le pantalon, bien dans le t-shirt et tout, c'est pas mal, voilà. Et le petit short Moulbit, là, bon bah voilà, 45-50 kilos, là ça correspond à rien, je pensais que j'ai vu les tailles. L, c'est ça que j'avais pris, regarde, 100 L, 48, 100 cm, donc 100 cm, j'avais pris L, donc là, c'était bien, 100 cm, là, c'était bon, c'est pas 45, je sais pas pourquoi ils ont mis ça, j'avais bien pris ça, j'avais pris mon truc de 100 cm, ok, et j'avais donc, je me suis dit, c'est L, alors qu'un petit XL aurait pas été dérangeant là, parce que il est quand même relativement serré, donc là, vaut mieux prendre peut-être un petit peu au-dessus, hein, pour être tranquille, moi c'est 100 normalement, mais là, voilà, un petit 102 aurait pas fait de mal. Vous me direz quel est votre produit préféré. Moi, personnellement, en numéro 1, je mettrais le t-shirt, 100% coton et tout, pour 16 balles. Je trouve qu'il est vraiment bien. J'aime bien le logo, j'aime bien, il est assez, il a un design assez particulier et tout. Après, voilà, ne le prenez peut-être pas trop trop moulant non plus, sauf si vous avez les muscles. Et en deuxième, c'est le pantalon, qui me plaît beaucoup. Très très classe, 100% coton et tout, pile en plus à ma taille, voilà. Plus qu'à perdre le kilo qui manque, et il est vachement pas cher, à 23,10€. Et en troisième, je mettrai le short, qui était à la base un short que j'ai acheté pour rester à la maison. Donc en même temps, voilà, il ira très bien. Il est très classe pour rester à la maison, puisqu'il vaut que 11 balles. En plus, voilà, donc c'est plutôt pas mal. Donc 1, 2, 3, dans l'ordre. C'était exactement ça. Voilà, tu mets un commentaire, le produit qui te plaît le plus. Moi, je vais discuter un peu avec ceux qui sont là pendant le live. Et ensuite, on va faire directement un deuxième enregistrement. Comme ça, vous en aurez un samedi. Et samedi, pour vous, ça sera la marque Inflation. Oui, j'ai trouvé que le nom me plaisait beaucoup. Après, à voir si ça tient le coup ou pas.